Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 42e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. 42e épisode, 42, le nombre de la vie, l'univers et tout le reste. Allez, on avance, comme ça je pense que ça va nous porter chance. Il faut qu'on défonce ce boyard Noru et arrêter de bouger. Voilà. Oula, je lagouille un peu, je ne sais point pourquoi. Voilà, ça y est. Il faut qu'on défonce ce boyard Noru. Moi j'ai très très peu de vie, ce qui m'embête. C'est encore un endroit hyper accidenté, ce qui est pas une mauvaise chose. On est 83 contre 75, sachant qu'ils sont globalement très nuls en face, j'ai l'impression. Il y a moyen que ça soit assez simple. Ils arrivent par là-bas. Ouais, on va rester là-bas et on va les attendre. Ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Vraiment que j'augmente cette compétence pour pouvoir me soigner à chaque fois que je tombe pour pouvoir retourner au combat. N'empêche, ça, les dégâts de la lance couchée, ça m'a 62 points de dégâts d'un coup. Les boules. Les bonnes grosses boules. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est suivez-moi. On va les mettre là. Et je vais faire tenir vos positions. Parce que là, c'est pas tenable. On va se mettre ici. Vous êtes obligé de venir. Ah, par là, c'est bien. Ils sont là-haut. Ils sont là-haut. Ah, et maintenant vous tenez cette position. Allez, qu'ils arrivent. Bon, c'est encore loin. Tout en haut du pic. Oh là là, il y a une voiture chez moi, quoi. J'ai peut-être dû l'entendre, malheureusement. Vous pouvez tirer, hein, vous aussi. Je crois que je tire pas assez loin. En même temps, là, c'est tellement random. Je vais mettre derrière eux, quand même. Ouais, mais je suis tellement défensif que je prends rien. Allez, avancez, bande de moules! La vache. Vous êtes prêts? Allez. Avancez encore un petit peu que je puisse vous défoncer. Allez. C'est parti. Mon kiki. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a quand même des gugus sur des canassons. Ouh, 100 points de dégâts au cheval. Allez. Ça y est, je les ai un peu réveillés. Qui a séparé les ennemis en deux. Ce qui était une bonne idée. Voilà, ça y est, comme ça au moins. Voilà.
Ça y est, ça en tue bien. C'est pas mal. Maintenant, il faudrait que je fasse pareil ici. Sauf que là... ils sont quand même bien placés. Je préfère tourner dans ce sens-là. Aïe, 7 points de dégâts. Oh les mecs. Bon. Je crois qu'il me reste plus qu'un point de vie. Donc on va la jouer safe. On va se la jouer safe. Tiens, on va les amener vers les ennemis. Enfin vers mes amis. Ah, de nouveaux ennemis sont arrivés. Faut pas que je décède. Juste au moment où je dis ça. Un tué, un blessé. 21 tués. 80 contre 54. 8 tués, 3 blessés. 3 tués, 5 blessés. 5 contre 12. 8 contre 5. 9 contre 8. Ah! Yes, on l'a eu. Par contre, j'en ai perdu pas mal des unités. Ce qui m'embête. On va capturer des gens. Voilà, on va recruter des Gugus. Sergent Rodoc, pillard des mers. Ok, allez hop. Yes, yes, on a du matos. Bon, par contre, moi, je suis mort, ce qui m'embête pas mal. Oh la vache, je dois plus avoir... Ah si, j'ai encore pas mal de nourriture, en fait. J'allais dire que j'avais plus beaucoup de nourriture, mais en fait, si, j'en ai encore pas mal. Oui, oui, de la promotion, oui, des niveaux en plus, oui. C'est pour ça que je dis oui. Tes compétences, toi, tu es très agile. Tu es très, très, très agile. Et en fait, à quoi tu me sers? À quoi tu me sers? En fait, c'est une tarée. Ah oui, c'est la tarée, elle. C'est la grosse tarée qui aime bien éventrer des gens pour voir s'ils n'ont pas des sous dans leur ventre. C'est une compétence personnelle. Compétence de groupe. Les points de maîtrise, je sais jamais où les mettre. Équipement, est-ce que tu peux prendre un canasson? Non. Tu ne peux pas prendre de canasson. Ok. Compétences. T'es niveau 6, toi t'es très intelligent. Tu es le mec qui... qui augmente l'équitation. Donc toi, il faudrait peut-être que je te mette un canasson. Compétences de commandement. Je me demande si les compétences de groupe, c'est cumulé. Je crois pas. Ah zut, j'ai oublié de mettre un point. Équipement. Donc du coup, je vais peut-être te mettre un canasson. Voilà. Peut-être te mettre un bouclier aussi. Un bouclier et une épée courte, c'est pas mal. J'ai pas des bonnes armures. Une bonne armure. Peut-être te mettre un casque aussi si j'ai. Toc. Voilà, c'est pas mal ça comme ça. C'est pas mal. Ok, alors, des améliorations. Toc, toc. Voilà. Et ben tout est bien amélioré. Bon, par contre, on a perdu pas mal d'unités. Ce n'est point très grave. Ce n'est point très grave. On a encore pas mal de choses à faire. Bon, Emirim. J'ai envie de dire. Ah, quoique, les papiers.
130, là il y a un 52. On se casse. On se casse, il y a trop de monde. Eh, moins 560. Alors que j'ai quand même 3 fiefs. Ce qui devrait normalement me permettre d'avoir énormément de. Oui, bon, ah, mais Ibirib, j'ai envie de dire, hein. Il est un peu au milieu de la baston, donc non. Je n'y vais pas. Aussi la Mondégar, tu m'étonnes. Je crois que j'ai pas arrêté les pieds. Taverne, taverne, est-ce qu'il n'y a pas un rançonneur? Rançonneur, j'ai des prisonniers à te vendre, mec. J'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes. Voilà, ça c'est bon. La place du marché marchande bien. Non, le cheval des steppes têtues, peut-être que je vais le garder au cas où. Si j'ai possibilité de le donner à quelqu'un, je le donnerai. Porc pourri, bœuf pourri. Ah, j'ai pas tant que ça de nourriture. Je vais tout remonter. Tout ce qui est nourriture, je vais remonter. Ça, hop. Sachant que ça descend très très vite au niveau de la nourriture. N'empêche, on a quand même éliminé 132 Gugus avec seulement 85. J'ai même fait une grosse bêtise à un moment et c'est passé. Ce qui est très cool. Voilà, plus 588 deniers, c'est bien. Tout est bien. D'ailleurs, je devais aller au château d'Erguelonne à la base. Oui, bah je sais. Ah bah tiens, ils sont tous là. Rejoindre le banquet. Coucou, comment ça va les mecs? Ça va bien? Ça discute? Ça discute aïe. D'accord. Toc, on augmente les relations. Ça discute aïe, ça discute aïe. Ok, y a rien à faire en fait. Y a rien à faire. Pagundour, t'es pas pillé, Pagundour? Dis-moi que t'es pas pillé, gérer ce village. 50 jours avant la construction du Maine. Wow, 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 wow. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était. Il y avait une épine au beau milieu de chez nous. Un truc bizarre. Un bout de bleu au milieu de tout ce vert. Quoi? 56 contre 33, il m'attaque? Mais les mecs. Les mecs, les mecs, les mecs. Vous allez craquer, hein, parce que là, je vais vous exploser, mais complètement. Vous avez beau être des bandits des montagnes, je vais vous exploser, quoi. Sauf si je vous rate. Aïe! Comment ça se fait que je suis des dégâts, chat? Alors qu'avant je. Avant je subissais rien, là je subis des gros coups. Oh, attendez. Hop, chargé, c'est bon. Allez, on y va. C'est peinard. C'est la fête. What? Non mais là, va falloir se pousser là, parce que t'es. Là, tu me gênes. J'y
arrive vraiment pas là. Allez! Voilà. Ça y est. Ah ouais. J'ai un blessé, c'est pas grave. Du matos à vendre. Toujours ça de prix. D'ailleurs, on va aller à Veluca. Je sais pas quel était leur délire d'essayer de m'attaquer. En tout cas, ils ont pas fait long feu. Toc, la taverne, est-ce qu'il n'y aurait pas un rançonneur? Parce que j'ai encore 2-3 trucs, du coup. Un marchand de livres, mais je m'en fous, je suis illettré. Voilà. Je suis illettré! Toc. Fedner. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Il y a énormément de... 64 contre 59. Oh, en plus, c'est pas mal. J'aime bien, on est dans les montagnes, mais on a un terrain plat. Allez, on y va avec ça. Ça devrait aller. En plus, ça fait monter ma renommée. Je pense que ça va être la dernière bataille de l'épisode parce que mon chrono me dit encore 3 minutes et que j'aime pas faire des épisodes trop longs. Wow, ça commence bien là, ça commence très bien là. Il enchaîne avec un 5 points de dégâts. Oh la vache, en plus je me rate. J'aime bien, c'est exactement le genre de plaine qu'il y a dans la deuxième partie de la saison de 1 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, quand ils sortent des murs pendant l'expédition et qu'ils vont se faire tous défoncer. Je trouve ça absolument hilarant comment ils se font tous exploser bêtement. Allez. De dégâts, mais je subis énormément de coups. J'aime bien, c'est lui qui est pas poussé alors que c'est un cheval qui lui fonce dessus quand même. Un cheval lancé à vive allure. Et bam. Combien en moins? J'en ai tué 13, il reste 18. Je suis super rapide avec mon arme. Les nouveaux ennemis sont arrivés. En plus de ça, j'ai monté de niveau. J'ai pas fait gaffe, mais effectivement, j'ai monté de niveau. Je suis niveau 26. Ce qui fait que je suis encore plus un barbare des plaines complètement pété. Ce qui est complètement abusé d'ailleurs. Ouf, que ça devait faire mal au visage. En plus, pourquoi je vais ici? Je devrais plutôt m'attaquer à ceux qui sont là-bas. À la 21. Raté. Vraiment que j'ai les chevaux de bataille, ça m'irait déjà mieux. Il faut que j'augmente la compétence équitation, peut-être que ça m'aiderait pas mal déjà. Vos ennemis sont arrivés encore. Ouais, ça fait 20 minutes. On va aller voir les nouveaux ennemis.
mes héros qui sont tous assommés à chaque fois. Alors que mes unités de base, elles défoncent tout. Raté. Ah, attendez. Combien on est? 29 contre 11. Non, pas ça. Voilà. Même pas simple. Gérer la souris et en même temps... les touches F du clavier. Et boum! Allez, il en reste 4 là. Terminé pour toi. Dans la tête, ça doit être tellement dégueulasse, surtout que j'ai mon... j'ai ma lame qui est rouge de sang, quoi. C'est tellement dégueulasse. Ma lame, tout est rouge de sang, quoi. Deux blessés. Deux blessés, c'est des héros, donc ça va. Oh, j'ai les chevaliers soyens, quoi. Et je peux monter de niveau. Je peux monter de niveau. Et j'ai vraiment pas de place dans mon inventaire. Parce que à force de s'attaquer à des trucs comme ça. Voilà, ça y est, j'ai déjà plus de place. Ce qui est pas drôle. On va juste monter de niveau. Je suis niveau 26 quand même. Je suis niveau 26. Il faut que je monte le charisme pour monter à 100. Commander 5 troupes de plus, commander 5 troupes de plus, voilà, ça y est, sens du commandement de niveau 6 qui est complètement pété. 186 points de maîtrise, énorme, énorme. Groupe, je peux en prendre 93. 93, motherfucker. Ce qui peut faire des superbes armées quand même. Rapport, j'ai combien de renommées? 391, c'est cool, c'est très très cool, c'est pas mal. J'ai pas d'honneur par contre. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'honneur. Taille du groupe, ça fait combien en fait? Effectif de base, plus 10, sens du commandement, plus 30, charisme, plus 18, renommée, plus 15. Ouais, il faut monter la renommée aussi. Les lords by relation. Ouais, c'est pas mal ça. Statut PNJ. J'ai le droit à régner de 6. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va arrêter là l'épisode. On va récupérer des unités dans le prochain. Je vais checker un petit peu les défis pour voir où on en est. Et on verra bien. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà, voilà. Allez. Salut à tous.